Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour faire les énergies de la semaine. Alors, sans plus attendre, on y va. Les énergies pour lundi. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner pour ce lundi, s'il vous plaît? Alors, waouh, super. On a déjà eu une belle carte. Une deuxième et une troisième. Ok, ça s'est retourné. On prend. Pour lundi, on va nous parler de cadeaux. Ici, d'une opportunité, quelque chose qui s'ouvre à vous. Ce qui s'ouvre et qui s'offre également, c'est une analyse. Il y a des choses qui vont vous permettre de réfléchir différemment pour vous, mesdames. Il y a la notion peut-être de deux dames ici. Hein. On vous parle d'une dame, on vous parle d'un relancement. On vous parle d'une nouvelle opportunité qui pourrait venir ici. C'est un petit peu le fruit du hasard, quoique ça n'existe pas. Mais il y a vraiment la notion d'avoir une bonne énergie. Ça fait vraiment effet cadeau pour lundi. Donc, de bonnes surprises vous attendent. Ok, super. On commence déjà bien la semaine. C'est plutôt positif pour mardi. Mardi, énergie de mardi. Waouh, oh là, on sera au centre du conflit pour mardi. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Il y a quelque chose de nouveau qui vient se mettre en place. Ça va générer du conflit. Pourquoi? Parce qu'il y a des retards. Il y aura des choses où c'est qu'on n'est pas d'accord. On n'a pas envie de donner. Donc, il y a des choses un petit peu à éclaircir notamment. Alors, il y a un courrier qui va venir à vous. Un courrier, voire peut-être une prise de contact. Pour une opportunité, c'est quelque chose de bien, mais dont vous n'avez pas encore forcément connaissance. C'est quelque chose qui se fait un petit peu en dessous de table, hein. C'est ce qu'on me montre. Mais on vous dit de quand même ici néanmoins de ne pas vous inquiéter parce que il y a vraiment des pardon, j'en perds ma voix, des bonnes énergies. Ça va peut-être vous laisser sans voix aussi, je pense, hein. C'est peut-être pas pour rien. Il y a aussi notamment de bonnes énergies qui restent ici pour favoriser en fait ce conflit dans le sens positif, pour pouvoir retourner la donne et vous apporter vraiment des solutions en lien avec du dialogue ici. Hein. Et ça peut être en lien avec un homme disparu ici, pour certaines personnes, voire en lien avec un homme qui est stressé. Donc il y a des opportunités ici, on parle aussi de conciliation, hein. Conciliation, voire réconciliation pour certaines personnes. Donc, un conflit qui survient, mais qui sera hautement surmonté pour ce mardi. Donc, aucun souci à avoir. On parle aussi de changement de programme pour certaines personnes. Au niveau de mardi, il y a un chemin qui devait être pris et on va prendre l'autre itinéraire. Pourquoi? Je ne sais pas. Pour mercredi, alors, pour mercredi, des choses se dévoilent. Il y a des choses extérieures en lien avec le foyer qui viennent faire leur entrée ici. C'est une atmosphère un petit peu froide, mais qui génère un cadeau, dans le sens... Il y a la notion aussi de défunt ici qui essaie d'entrer en contact avec vous pour vous délivrer un message apaisant. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. On parle pour d'autres personnes aussi. Votre âme essaie de communiquer avec vous concernant des choses extérieures pour lever le voile peut-être sur des traumatismes que vous avez à l'intérieur de vous qui devraient être tantôt guéris. Mais cela dépend simplement de votre volonté. Dans les actions que vous mettrez en place. Ok. On continue. Les énergies de jeudi. La vidéo sera très courte apparemment. Mais je ne vais pas tirer sur le chewing-gum vu que ça me vient comme ça. Alors je vous transmets les messages tels qu'ils viennent. Pour jeudi, il y a la notion ici de démarche, de papier important à signer. On me dit pour certaines personnes, ne signez pas parce que vous allez être tellement pressé, tellement content d'avoir envie de signer. On vous dit attention. Prenez quand même le temps de signer. Il est possible qu'il y ait une clause
que vous ne voyez pas et ça pourrait un petit peu vous poser quelques petits soucis. Rien de bien grave, mais c'est plus comme, comment vous dire? Pour imaginer un petit peu le souci, c'est comme si vous signiez un contrat, n'importe lequel qu'il soit, et on vous dit vous pouvez pas résilier avant 2 ans. Ça peut être dans ce sens-là. Je continue. En tout cas, on voit que vous êtes vraiment très très impatient parce que ça fait un moment que vous attendiez ça. Ouais. C'est un accord pour vous ici, hein. On vous sent un petit peu stressé. C'est un stress qui vient et qui repart assez rapidement ici. C'est au niveau peut-être de la prise du rendez-vous concernant ça, voir cette démarche, voir ce papier qu'il y aura à signer. Ça va vous stresser, mais vous y allez quand même, hein. Vous y allez quand même. Plutôt positif. Et on continue pour regarder ce qui se passe le vendredi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Allez, vendredi. Les énergies du vendredi. Stabilité qui se diffusera dans le week-end ici. On parle d'une nouvelle direction. Il y a une analyse en cours ici, hein. Il y a peut-être la notion de devoir aller quelque part pour ce vendredi, pour vous, mesdames. Et encore, ça vous stresse. Ça peut être lié à jeudi, hein. Cette fois, peut-être que vous aviez pris jeudi connaissance d'un rendez-vous et jeudi, vendredi, pardon, vous y allez. Et ça vous stresse. Ça vous stresse quand même. Pourquoi ça vous stresse? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue? En quoi ça évolue? Alors, l'évolution, on nous parle d'une dame ici. Waouh, ça fait beaucoup. Pardon. Une évolution, ça peut être en lien aussi notamment avec un homme sur une analyse, sur des choses peut-être que vous n'aviez pas encore forcément connaissance, mais c'est pas un stress négatif occasionné, hein. C'est vraiment un bon stress ici, hein. C'est vraiment en lien avec la notion de devoir signer quelque chose. On vous dit d'écouter fortement vos ressentis parce que vous êtes protégé, vous êtes aussi notamment guidé vers cet extérieur et on vous dit tout simplement prenez ce qui vous est dû, tout simplement. Donc ne réfléchissez pas trop non plus, prenez ce qui vous revient de justesse. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes petites pépites. En tout cas, moi, je vous aime très, très fort. Je vous embrasse aussi très, très fort. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer une magnifique semaine. N'oubliez pas de vous abonner. Et pour ceux et celles qui aimeraient faire un don, il y a le lien PayPal en dessous de la vidéo et également aussi mon adresse mail pour ceux et celles qui aimeraient me consulter. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine.